Tendance. Ouais.
Mais je peux dire, donc, en tant qu'administrateur, si ce projet ou bien la catégorie, elle est générale, c'est-à-dire donc elle s'intéresse non pas aux francophones, ça peut intéresser une personne qui n'est pas francophone, ça devrait être en bon anglais pour la du serveur, je l'estime. Voilà. Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'avoir cette conversation avec vous. Et à la prochaine. Merci. Et l'histoire par la suite et l'idée que.
influence significative sur, des sur cette question-là, sur une question d'accès qui était quand même assez fondamentale. Alors, mais après une démarche patiente et laborieuse, comme on imagine, à l'été 2011, il y a eu cette reconnaissance-là de Wikimedia Canada, officiellement affiliée à la Fondation. Puis c'est un médecin de la Colombie-Britannique qui s'appelle James Ennan qui va assurer la première présidence de l'organisme. Alors, James Ennan, c'est un médecin.
place-là même pour consulter les autres besoins qui permettent la découvabilité des données personnelles, enrichissement automatique à la gestion sexuelle. Vous voyez venir le Wikipédia et intégration de tous les systèmes de gestion de données. Totem, les pensées pour s'implémenter seulement avec l'OA, mais avec n'importe quel système intégré de gestion de données. Ou autre source de données. Donc, un exemple d'un afin de recevoir les, je voulais dire les attributs, bon, c'est pas là, de recevoir le fanion de Wikimedia Canada. Sur ce, je déclare clos la Wikiconvention francophone 2024 à Québec et bienvenue à la Wikiconvention francophone 2024.
Je vous souhaite à toutes et tous une agréable fin de séjour et surtout un excellent voyage. Des échos partout. Salut, comment ça va? Bonjour maman. Oui, je n'ai pas dormi. Hein.